Le centre Müller se trouve au Wiedenauweg à Bienne, un musée de machines-outils uniques datant du début de l'ère industrielle. Nous allons maintenant en apprendre un peu plus sur sa création et son histoire grâce à Monika Meyer qui dirige le musée. Madame Meyer, il a fallu un certain temps pour que l'idée devienne réalité. Nous voudrions savoir un peu plus sur la création du musée. Derrière le musée de la machine, il y a l'usine de machines Müller de Brugg. Celle-ci est une entreprise familiale qui en est à sa troisième génération et qui existe depuis 90 ans. Les ancêtres déjà rassemblaient consciencieusement les objets rares et c'est en avril 2002 que le musée a été inauguré. »150 machines sont exposées ici au centre Müller. Il s'agit en particulier de machines-outils datant du début de l'ère industrielle, fin 19e, début 20e siècle. Donc un témoignage précieux de l'époque reflétant l'ingéniosité de la région viennoise et de l'arc jurassien. Nous vous recommandons vivement une visite guidée effectuée par l'un de nos guides spécialisés. Sous le même toit se trouve également une très belle salle que l'on peut louer pour des événements de tout genre. En effet, ce sont des événements organisés dans un cadre privé ou professionnel, tels qu'invitations de clients, excursions d'entreprise ou même d'anniversaires que l'on peut célébrer ici de façon solennelle. Nous disposons d'un service de catering professionnel, le restaurant Stadthaus, et ces soirées sont toujours exceptionnelles. Le centre Müller vous propose la visite d'ateliers reconstitués contenant plus de 150 machines-outils. On y est transposé dans le monde du travail de l'époque grâce à des mannequins étonnamment réels. Le centre Müller se prête en plus extrêmement bien pour des événements originaux et professionnels. Votre city guide, Karin Gehrig.